Chascanade, en février, l'amélier est le premier arbre des fleuries pour nous annoncer la venue de la prime. Il y a toujours agu d'amélier en Provence et à qui à Valensol, que le terre et le climat lui conviennent bien. Pamen, dans les années de 1950, on commença à déraber les améliers pour des raisons de rentabilité. Veille que la demande d'amel fait commenta, tourne un planta les améliers. Quand j'étais pichonné, tous les midiots, j'étais parlant d'accord, que les amènes, il manquait toujours du carré, il manquait encore de l'ail, qu'il faisait trop frais, la fleur avait déjà là. Et fait que tout le temps, je parlais d'accord, fait que je rentrais en Iou, et puis, en cueille, possible de planter des arbres qui sont adaptés à tous les problèmes. Va qui parquet avait planté quels arbres. Oh, on avait 16 000 arbres, 80 hectares. À cette période, quand la floue, avait toutes les nuits, avait un peu, et s'il fait moins de 12 ou 13 degrés, la floue est gelée. Là, il y a la petite amande, mais juste, voilà, on voit la petite amande. Voilà, là, on voit la petite amande qui a été pollinisée. C'est un arbre qui demande un peu de main-d'œuvre par la taille, par ramasser. Et fait que le prix est 12-13 euros de masque d'Espagne ou la Californie. Depuis quelques années, se met en place un plan pour tourner à bandit la culture de la mêle. Est prévise de planter 200 hectares au Chascanade, 5 ans d'étain en Provence. L'idée est d'arriver à une production de 13 à 4 000 tonnes. Faut savoir qu'il ne faisait venir des pays forestiers. 36 000 tonnes Chascanade. Un des objectifs, c'était de mettre une appellation d'origine à terme. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu de production. Et dès qu'on a cette production donc, qui viendra des 200 hectares par an que l'on a planté, on pourra rapidement mettre en place une appellation d'origine Provence. Ça, c'est l'idée principale. Et après, pour ceux qui se sont plantés ailleurs qu'en Provence, dans le Languedoc, même en Rhône-Alpes, dans l'Ardèche, il y en a qui veulent planter, on a des demandes. Là, on va mettre une IGP qui tient beaucoup plus de large, si on peut dire, dans les différentes contrées françaises. Ça, c'était l'idée, c'est que les amandes françaises en général, elles soient sur un signe de qualité. Voilà. Sabien que la qualité dépend des deux terres, de la variété des amelles, mais c'est du temps bien de ce qui s'y boute en terre. Quels arbres ont toujours reçu une culture comme des engrais organiques. C'est fumé des poules, des algues marines qui viennent de Bretagne. Et il y a un seul traitement qui se fait au mois de février. Sinon, il y a zéro traitement. Parce que les engrais chimiques et tout, coquerin qu'il faut oublier. Entre les années de 1953 et 1955, on déraba les améliers à Valensol par planter des lavandes. Et puis, avec le souci d'eau bien mangée et de la diététique, les gens se soumettent à faire une grosse consommation d'amelles qui servent pérennes pour les produits cosmétiques. Et moi, avec Olivier Bossan de l'Occitane, qui est un ami, me dit « plante-moi un peu » parce qu'il trouva une nouvelle molécule dans l'amande de Valensol. Qui m'intéresse pour ça. Et dans le monde entier, la ligne amande de l'Occitane se vend et que l'amande vient de Valensol. Et c'est une amande rien à voir avec l'amande qui s'est faillée les années 1900. Quelle machine est une pessaille. Et quand je suis ici, c'est bien parce que les amandes sont toutes rentrées. Avec plus des soucis de grêle ou des soucis d'autres cas. Tout le monde se demande comment se rompent les amandes, mais c'est comme quoi. L'amande tombe qui les dit, et ici il n'y a qu'une qui boulegue. Et la partie métallique est conique, fait quoi, et les amandes se rompent comme quoi. Une heure de thym pèse une tonne, 1000 kg de coque. Après, par 1000 kg de coque, il y a à peu près 250 à 270 kg d'amandes. Alors, et là, il y a une crible. Le premier lève les gommes et le deuxième
c'est par l'examen des grosses, des pitchounes, et après, il ne reste plus qu'à les, mettre au frigo. Question, la main est un bon main, mais on s'est tenu à peu près à 35 000 kilos. À quel examen, nature transformée d'un cocaï produit dériva, c'est vendu sur place, dit la boutique Terra Roma. Outre André bien connu des Afouga et des Ilipé, est-ce l'entreprise douce à Oraison, où pays montessifie la fête des lamelles. À qui est-ce pas sous la main lamelles, mais toutes les fruits secs qui sont déclinades à une fume des préfumes et des variétés des chocolats.